Tu vois Jean-Claude, là, il y en a une qui est sur le caillou qui est à 1 mètre du bord là. Je la vois. Ouais. Et puis dessous l'autre qui est très noire là. Dessous, il y a une très grosse truite. Très grosse, oui. Pour la taille de la rivière, c'est une grosse truite. Hein. Elle est pas contre ouais. Contre le. Mais elle ne s'alimente pas trop, mais je vais quand même l'essayer en nymphe. Il y en a une autre qui est sortie. Oui, qui est sortie, oui. Elle est montée en surface, sous la surface. Tu es en quel diamètre ? Je suis en 12. En 12 ? Tu as dû lui passer plusieurs fois sur la gueule déjà. Ah oui, hein ? Ouais, tu sais, des fois, au bout d'un moment, elle pourrait... Ah ouais. Ouais, tu dois peut-être monter une sèche et puis l'essayer en sèche. Hop, regarde là comment elle le fait. Ouais, ouais. Ah non, elle s'est décalée là. Elle est partie. Oh là là. Là, je lui arrive dans la gueule. Tu penses que tu descends jusqu'en haut fond? Ah oui. Ouais, parce que je suis complètement détendu en bas de ligne. Je dois même racler le fond presque. Ah ouais? Voilà, elle est partie la grosse. Tu l'as vu? Elle est vraiment grosse. Et l'autre qui était sur le caillou, j'ai vu monter. Hein. Tu veux pas mettre une grosse nymphe? Enfin une nymphe, une grosse BM14 ou un truc comme ça? Oh putain! Joli! Laisse bien ta canne pour les branches. Dépiqué? Dépiqué. Tu l'as vu bouger? Non. J'ai dû le mettre dans la gueule. Dans la gueule. Dans la gueule. C'était gros, hein? Sur les petites rivières comme ça, faire des grosses truites comme ça, c'est magnifique. Enfin, le principal, c'est d'avoir touché. Attends, toi, je vais voir si fallait... j'ai cassé. Ouais, t'as cassé, mais c'est normal. Parce t'étais en 12. J'étais en 12. Ouais, et puis dès qu'elle arrive sur les bordures comme ça. Mais bon, le principal, c'est de l'avoir touché. Elle faisait plus de 60. Ah oui, oui. Oui. Belle fario. Belle fario.
Elle s'est déplacée. Allez. Tiens, Jean-Claude. Essaye tout de suite celle qui est devant le rocher. Ah oui, elle monte. Ah non, mais elle est montée. Ouais. Oh Jean-Claude, viens voir. Viens voir. Un très beau coup de ligne, viens voir. Regarde, tu vois la truite qui est sur le noir là-bas. Je la vois. Magnifique. À 10 cm de la bordure, entre les deux cailloux noirs, une fois elle monte sur les cailloux noirs. Je la vois. Okay. Je l'ai perdue, elle est là. Elle est entre les deux cailloux. On l'a perdu de vue complètement. Hein? Pourtant, elle n'est pas partie très vite. Mais elle n'est pas partie, normalement. Elle était descendue dans le creux, toi. Entre les deux cailloux. Oui, non. Ah, c'est dommage. C'était... Elle revient au milieu un petit peu. Regarde. Elle descend là. Là, là, là. Et juste là. 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 Tu la vois? Je la vois. Ça y est, je l'ai. Et je suis tombé à 15 cm devant. Et tout de suite, elle a ouvert la gueule comme un... Ça lui tombait dans la gueule. Elle est jolie, en plus. Ah oui, c'est un beau poisson. Elle est très, très belle. C'est un poisson de 35. C'est une arque. J'aurais pensé que c'était une fario, tu vois. Hein? J'aurais pensé que ce soit une fario et c'est une arque. C'est une arque? Oui, oui. Ah, une arque, dis donc. Ça, c'est des beaux coups de ligne. Hein. Là, il doit y avoir quelques poissons dans la... dessous la cascade. Là. Je vois une traînée noire. On devrait en trouver dans le courant, limite du courant, au-dessus des pierres plates. Ouais, des pierres blanches. Vaut mieux passer de ce côté. Ouais, mais là la lumière n'est pas bonne. Il faut s'écarter. C'est bizarre, hein, c'est. Tu trouves 3-4 poissons à un endroit et puis d'un seul coup. Oh non, 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 je croyais que c'était une grosse truite là-bas. Et là, dans un moment, il devrait y avoir un peu d'activité hein, avec des mouches, j'espère. Ouais. C'est vraiment une rivière qui mérite d'avoir des mouches. Pour faire sortir les poissons de dessous les cailloux. Hein. Alors, attends, il faut bien regarder dans ce courant-là. Ça ne bouge pas. Il faudra peut-être quand même aller voir dans la petite retourne là-bas, non? Je vais peut-être traverser, toi, parce que en luminosité, ouais. Je traverse, on se rejoint juste au-dessus. On se rejoint là-bas.
sèche. Sur la plage. Hein ? Sur la plage. Tu vois, il y a le caillou en pointe, le gros rocher en pointe. Oui. À côté, il y a les herbes. Les herbes en cailloux. Oui. Derrière ces cailloux, on voit deux traits noirs. Il y a. Tu descends 2 mètres. Il y a deux traits noirs. Tu penses que c'est un poisson, ça ? Hein ? Hein ? Tu penses que c'est un poisson ? Je pense. Non, je crois pas, non. Mais est-ce que c'est pas le caillou qui a de la mousse sur le côté ? Oui, c'est un caillou qui a de la mousse sur le côté, ça. Il y a un poisson juste sur la plage. Loupé. J'ai ferré trop tôt. Je vais essayer de passer à droite. Ouais, beaucoup de lignes, hein, Jean-Claude. Là, j'en ai une devant moi, là. Essaye de là-bas, Jean-Claude. Faut que tu lances plus loin. Plus loin. Ouais, ouais, je vois bien, ouais. Et là, elle est venue voir. Hein. Je vais essayer en sèche. Hein, Jean-Claude, je vais essayer en sèche. Elle est venue voir ? Je sais pas, j'ai pas vu.